Bonjour Céline, vainqueur de ce championnat et également l'année dernière. Quelles sont vos impressions? Bah, c'était plus compliqué cette année, il y avait vraiment des très bons poneys en 5 ans, donc je me démarque pas trop en dressage, enfin j'étais dans la moyenne, il y en avait une qui a super bien tourné, après le cross super, et puis voilà quoi, donc j'étais contente, CSO elle saute toujours bien, donc voilà, je suis très contente de la jument, elle a répondu encore présent aujourd'hui, l'année dernière c'était top, cette année c'était top, on verra l'année prochaine. Et vous la montez donc depuis 2 ans ou depuis plus longtemps? En fait, moi je l'ai acheté un an et puis j'ai fait tout le boulot dessus. Donc bah, j'ai fait les concours de modèles allures en 2 ans, en 3 ans. Et puis après, bah, l'année dernière, 4 ans complets, 5 ans complets. Et normalement, 6 ans complets aussi en fonction de moi, en fonction de ma vie personnelle, savoir ce qu'on met en priorité ou pas. Voilà. Pouvez-vous nous parler de ses origines, son élevage? Ouais, c'est l'élevage de Caux, c'est une amie à moi, Élise Lecouvreur, qui m'a vendu cette ponette. Je travaillais pour elle un peu pour débourrer des poneys, et puis un jour je suis venue la voir parce que j'avais envie d'en acheter un. Et puis celle-là, elle traversait la tête entre les barreaux pour faire des petites caresses, donc j'ai craqué et je me suis pas loupée. Le père, c'est Roudoudou d'Hurlevent, c'est un top poney qui a transmis. J'ai discuté justement avec son éleveur qui était présent là pendant les finales. Qui transmet à la fois le très bon coup de seau, l'excellent caractère, et vraiment enfin des poneys très gentils. Donc c'est tout à fait le caractère de la mienne et donc je suis vraiment très contente et voilà, top d'origine quoi. Super, choix de l'éleveuse, donc j'ai rien à dire après. Vous montiez également d'autres poneys à ce championnat? Non, non, j'avais que celle-là. J'ai que celle-là. J'en aurais peut-être une après qu'à un an là. Donc je ferai sans doute en complet aussi. Mais non, non, moi je travaille toute seule. Enfin, j'en fais pas ma profession. C'est vraiment pour le plaisir. Et voilà. Et quelle est la suite du programme pour Amazon? Bah là, un mois et demi de repos. Parce que je l'ai beaucoup sollicité toute la saison. Je l'ai commencé de bonne heure. J'ai eu la chance de pouvoir faire un concours au mois de février à Saint-Mars-d'Outillet dans la Sarthe. Donc février, et puis on a enchaîné toute la saison. Donc elle a bien droit d'un peu de repos. Et après, on va reprendre tranquillement l'hiver. Je vais peut-être sortir un peu en cycle dressage. Et puis voilà. Et puis après, l'année prochaine, on reprendra les concours en complet si tout se passe bien. Très bien, merci beaucoup.